Champion du monde, il ne l'est plus, mais il a été champion olympique à Barcelone avec 6 médailles d'or, 7 même avec le concours général, Dimitri Trous pour la Biélorussie. Ça, c'est aussi l'un des premiers équipiers à passer. Voilà, Saltamont Carpé dans les barres. Pour la Russie. Grand tour autour du bras, le Eli, deuxième Eli enchaîné, le Vals. Changement de face ici, un salto arrière avec demi-tour. Et un rattrapé difficile. Hein. Petite instabilité. Demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Alors, le salto arrière avec demi-tour ici, oui. Il va chercher sa barre très tôt. Oh là là il là manque là. La main gauche. Et heureusement qu'il a des protections de biceps, triceps, parce qu'une éraflure est fréquente au niveau des réceptions aux barres parallèles. On le salue, on le félicite, mais on sait bien qu'il n'a pas obtenu une note exceptionnelle. Mais c'est bien de s'entraider entre gymnases dans une compétition, surtout par équipe. Oui, voilà, on voit la main gauche ici qui passe à côté. Dommage, mais il se rattrape très très bien. La Russie, qui n'est pas certaine d'avoir une équipe aussi performante jusqu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta, parce qu'il va falloir renouveler ce potentiel qui tient depuis quelques années. Et Dimitri Strus en est un exemple. C'est un jeune gymnaste qui arrive, mais il n'est pas encore du niveau des grands ténors que la Russie nous a proposés